En juin 2016, le Musée McCord a entrepris un vaste projet de numérisation de sa collection des arts décoratifs, un projet rendu possible grâce au soutien du Plan culturel numérique du Québec. Ce soutien a permis à l'équipe du Musée McCord de photographier plus de 5000 pièces de verre et de céramique et parallèlement d'en vérifier, valider et bonifier le catalogage. Le Musée McCord s'est doté au cours des années grâce à de généreux collectionneurs et donateurs d'une remarquable collection de céramique et de verrerie canadienne devenue aujourd'hui une force de sa collection des arts décoratifs. Le terme « céramique canadienne » décrit à la fois la céramique produite localement, mais également celle importée d'autres pays, principalement d'Angleterre, et utilisée au Canada au 19e siècle, puisque ce sont les importations plus que la production locale qui répondaient aux besoins de la population. D'ailleurs, en raison de sa position stratégique, Montréal a pris une place de premier plan dans la distribution et le commerce de la céramique au 19e siècle. La collection de céramique du Musée McCord se compose à la fois de pièces de haute gamme importées, mais également de céramiques plus grossières en grès et en terre cuite produites au Canada. Parmi les forces de la collection, mentionnons la terre cuite fine à décor imprimé sous glaçure, la plus populaire de toutes les céramiques utilisées au Canada au 19e siècle. Grâce à cette innovation britannique développée à partir de la fin du 18e siècle, des images imprimées pouvaient être transférées sur de la céramique blanche, produisant ainsi une céramique décorée à moindre prix. On voit ainsi apparaître des paysages canadiens sur de la céramique produite en Staffordshire en Angleterre. Ces images étaient principalement tirées d'œuvres d'artistes de renom tels que William Henry Bartlett et Robert Arkmouty Sproul. D'autres étaient tirées d'épreuves photographiques de photographes tels que William Notman de Livernois ou Louis Prudent Vallée. Outre la collection de céramique, le musée McCord détient des pièces de verre de luxe importées d'Europe et une remarquable collection de verreries produites au Canada. La première fabrique de verreries à s'installer au Canada remonte à 1839. C'est la Mallory Town Glassworks en Ontario. Vers 1900, la production locale fournissait près de la moitié du marché canadien en bouteilles et en bocaux de conservation, mais également en lampes et en diverses vaisselles. À cette époque, on produisait principalement du verre pressé. C'est un procédé par lequel on imitait le cristal taillé, mais à moindre coût. Des centaines de motifs ont été produits et la collection de verres pressés du Musée McCord détient presque tous les patrons produits au Canada à la fin du 19e et début du 20e siècle. Je vous invite dès aujourd'hui à consulter en ligne cette impressionnante collection sur le site du Musée McCord.